mon pote, mais j'ai pas trop le choix. L'autre gars me tire par les couilles. Hein? Hé, hey, qu'est-ce que t'as fait? J'avais pas le choix. Je suis désolé. Allez, c'est parti. Vous allez pouvoir trouver. Il était temps.
je te tiens, salopard! Moi, ta tête. Te voilà! Bricken, tu me reçois? Ici Crane. Comment ça va, Crane? Dis à tout le monde de se méfier des sauveurs. Ils m'ont vendu à Rice. Un peu plus et j'y restais. Putain! J'espère que ça va. Contacte Troy quand tu arrives dans le secteur 0. Elle est la seule qui peut te filer un coup de main. Ouais, c'était mon idée. Souhaite-moi bonne chance. Il y en a pas de par là. C'est stop pour ce soir. Bande d'enfoirés, ces sauveurs. Ces salopards travaillent avec Rice. Ils m'ont tendu un piège. Pour un peu, j'y restais. Eh oui. Ça m'apprendra à faire confiance aux gens. Voilà, on stop pour ce soir. On va attendre que ça démarre. Parti. Jade, ici Crane, tu me reçois? Jade, ici Crane, tu me reçois? Merde. Bon, je vais laisser faire les gars du coin. Roy, c'est Crane, tu m'entends? Crane, ça fait plaisir. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je suis dans ton secteur et j'aimerais bien qu'on se voit. Où est-ce que je peux te retrouver? Tu es ici, dans le zéro? Excellent. Tu as vu deux tours, une plus grande que l'autre, avec des échafaudages partout? C'est notre perchoir. Mets le cap dessus, on t'attendra. Docteur Camden, vous me recevez? Ici Crane. Camden, vous me recevez? Crane? Oui, oui, je vous reçois. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis dans le secteur 0. Jade est avec vous? Non, elle a du mal à progresser. Ce n'est pas facile. J'ai dû me couper de l'extérieur à cause des hommes de Rice. À ce propos, docteur, tout va bien? Je suis bloqué ici, mais ça va. Vous venez me chercher? Pas encore, docteur. Je dois récupérer Jade et les notes de Zéré. Je viendrai après. Ok, je vous attends. Bonne chance, Crane. Comment il m'en a fallu, dis-moi, j'ai pas projeté ça. Thank you.
aller comme ça, hein. On verra bien. Tu sais pourquoi? Parce que, putain, les gens sont imprévisibles. Les mordeurs, on sait ce qu'ils vont faire. Ils vont mordre. Mais si tu prends quelqu'un ici, quelqu'un qui est habitué à vivre la belle vie, qui a été gâté, pichonné, et tout d'un coup, il dort par terre, il bouffe des trucs pour chat, et personne n'en a plus rien à foutre de qui c'est. C'est ce genre de truc. Fais bien attention à ce que je te dis. C'est ce genre de truc qui te pourrira la tête. Encore plus que les zombies. Les zombies, c'est... C'est trop étrange. Différent de l'expérience humaine. Trop loin du possible pour la plupart des esprits humains. Mais quelqu'un qui vivait comme un roi et qui doit devenir pire qu'un mendiant, il comprend ça. Et c'est lui qu'il faut surveiller, parce qu'il va péter les plombs. D'un seul coup. Thank you.
qu'est-ce que je suis? Gauche-moi. Toi, Crane ? Ouais, c'est moi. Je m'appelle Michael. Troy t'attend dans notre perchoir. Ça fait plaisir que tu sois là, Crane. De rien, mec. Crane ! C'est trop bien. Moi, c'est Savvy. T'as besoin d'un truc technique, tu viens me voir. J'ai presque réussi à outrepasser le brouillage. Allez, viens dire bonjour à Troy. Kyle Crane, ça fait plaisir de mettre un visage sur ta voix. Tu cherches Jade Aldemir, c'est ça? Tu l'as vue? Est-ce que tu sais où elle est? Jade, ici Troy, tu m'entends? J'écoute, Troy. Jade, ici Crane. Écoute, je sais que tu vas voir le docteur Camden, mais les zombies et les hommes de Rice encerclent sa clinique. Laisse-moi t'aider. Crane, laisse-moi tranquille. Quand j'entends ta voix, je vois mon frère. Écoute-moi, s'il te plaît, ok? J'ai été envoyé par le GRE. J'étais censé trouver où Rice avait caché son dossier secret. Mais ça sert plus à rien maintenant que le ministère m'a contacté. Ils allaient bombarder la ville, mais je les ai convaincus d'attendre, parce qu'ils veulent les notes que tu as sur toi. Il faut absolument trouver un moyen de leur faire savoir qu'on les a. Espèce de salaud. Espèce de salaud. Jade. Jade. Mort. Merde. Crane. La dernière fois qu'on a parlé, elle était à l'université, un peu plus à l'est. Il y a des calages. S'il y a un fond de vérité dans ce que tu as dit, tu dois la retrouver. Mais c'est un superbe jeu quand même, hein. Bon, allez, je crois qu'on arrête pour ce soir. On va demain. Partez à l'université, si je veux. C'est Troy. Vas-y, Troy. On a discuté de la façon de percer ce brouillage radio. Savvy a une idée. Il va continuer à plancher dessus pendant que tu cherches Jade. Excellent. Tiens-moi au courant. A plus, Crane. Et si je peux te donner un conseil, essaie d'éviter autant que possible les infectés, ok? Ils ont toujours été dangereux. Mais maintenant, ces enfoirés sont plus costauds que jamais.
là, moi, je n'ai pas. Sérieux, ça, quand même, hein. Là-bas, ça va marcher. Oh, je crois pas. Je me casse la gueule là. Prenez-la. Putain, non. Oh la vache. On va marcher. Thank you.
Rentre. Voilà, non. Bon, ben voilà, on va arrêter là pour ce soir, je pense.
voir, Antonio. Il vient de le mettre par là, non? Sécurisé. Maintenant, je montre comment là. Ok, c'est bon, on entend. Je sens que c'est pas ouf. C'est pas mal ça. Ah, quand même. Bon, bah les loulous, on va s'arrêter là. Come on.
Excuse-moi, je cherche une nana appelée Jade Aldemir. Brune, cheveux longs, dur à cuire. Ouais, je l'ai vu parler à je sais plus qui là-bas. Merci. Jade ? Jade ? T'es là ? Tu es qui ? Tu veux quoi ? Aucun signe de Jade. Merde. Ça t'intéresse ? Excuse-moi, tu peux m'aider ? Je cherche une jeune femme, brune, fine, du genre à passer s'emmerder. Elle s'appelle Jade Aldemir. Oui, elle était ici. Tu l'as loupé de peu. Tu l'as loupé de peu. Elle est restée là assez longtemps à faire la gueule. Et puis, elle est partie. Oh putain. Elle t'a dit où elle allait? Non. Mais tu es Crane. Elle a laissé ça pour toi. C'est Amir. Pourquoi elle m'a laissé ça? Bah, je sais pas trop. Mais elle m'a dit de te dire une fois, mais pas deux. Je sais pas ce que ça veut dire. La tapage une fois. Retour. Ça a l'air confortable. Jade, ici Crane, tu me reçois? Jade, tu me reçois? Que dalle. Troy, ici Crane, tu me reçois? Crane, j'allais t'appeler. Xavier a réussi à passer outre le brouillage. Je crois que tu ferais mieux de revenir ici. Faut que tu vois ça. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Ce qui se passe là, dehors. Faut que tu vois ça de tes propres yeux. Reviens vite, c'est important. Thank you.
gueule, là. Hein. J'ai beau le regarder en boucle, j'arrive pas à y croire. Un document interne du groupe de ravitaillement et d'entraide impliquant cet organisme dans un complot criminel de grande ampleur a été rendu public aujourd'hui. Selon ce document, plutôt que de chercher un vaccin au virus d'Aran, le GRE comptait le militariser et le vendre aux plus offrants. Une levée de bouclier mondial a... Non, va droit au but. J'étais le dernier survivant de la zone de quarantaine. Je n'y crois toujours pas. Je suis encore en vie, j'arrive pas à y croire. Nous pleurons tous nos morts, mais pour reprendre les mots du président dans son discours d'aujourd'hui, la vie doit reprendre ses droits. Des soldats ont fouillé la zone de quarantaine à la recherche de survivants, mais ils n'ont trouvé que des infectés. D'après le colonel Tanner, une fois le processus de décontamination mené à bien, l'infection sera complètement résorbée. C'est un coup du ministère. Et justifie devant le monde entier la destruction de la ville. Crane, écoute-moi avant de foncer dehors. On a déjà un plan pour envoyer un message à l'extérieur. Alors on vient là pour voir. On place des charges dans un immeuble selon un plan précis et on les fait sauter. Ce que les zombies ne pourraient pas faire. On a un traceur, Michael, sur l'immeuble. Mais il n'arrive pas à atteindre les derniers étages. Il y a trop de mordeurs. Ça me fait mal de le reconnaître, mais aucun de nous n'est assez fort pour l'aider. Putain, il faut qu'on fasse quelque chose maintenant, ou ces cons vont nous pulvériser. Toi, moi, Jade, tout le monde. Dis à Michael que je viens lui filer un coup de main. Pendant ce temps, tu essaies d'appeler Jade. Dis-lui qu'il faut que je la voie. Je te le promets. Hey, encore un truc. Et voilà les enfants, on va s'arrêter là pour ce soir.